Aujourd'hui, notre problématique, c'est une pénurie de main-d'œuvre. On sait que le territoire vendéen est un territoire très dynamique, où le taux de chômage est très faible, et on a une réelle pénurie de candidats formés à nos métiers du nautisme. On travaille avec Manpower pour chercher et recruter de nouvelles personnes, des personnes qu'on peut intégrer en direct ou bien qu'on intègre après une période de formation. Je me suis inscrite en intérim, donc chez Manpower. Et ce qui était intéressant avec eux, c'était qu'ils me proposaient une formation. Donc comme je partais de zéro, bah du coup, c'était très bien. Mon futur professionnel chez Beneteau, je le vois en tant que... toujours accastilleur, mais voilà, polyvalente. Au quotidien, on accompagne nos ressources de l'agence vers un nouveau métier. Donc on détecte en fait un potentiel. L'objectif, c'est de les faire monter en compétences, donc de les mettre en formation. Pour eux, c'est une belle opportunité puisqu'on les forme à un métier, ils sont assurés d'avoir un emploi chez Beneteau ensuite et avec un objectif de CDI derrière. On m'a proposé deux postes et au vu de mes compétences, on m'a aiguillé plus vers l'accastillage. J'ai aussi bien du travail sur l'extérieur de finition, de pose de finition, de joint et du travail à l'intérieur du bateau. Le CDI depuis une semaine, depuis le 1er mai, après une période d'intérim de 18 mois. Manpower m'a proposé la formation réparateur gelcote. Donc je suis arrivée ici pour 3 jours d'immersion. Et ça m'a permis de découvrir le métier. Et puis la formation a débuté peut-être une semaine et demie après. Je me suis dit dans quoi je me lance, mais au final je ne regrette pas du tout.